De là où le vent tourne ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est couvert. Il peut pleuvoir, il ne pleut pas. La température extérieure est à 7-8 degrés, la température de l'eau est à 13 degrés. La marée est en train de finir de monter, le plein eau est à 8h40 avec des coefficients de 61. Bah, sur cette fin de marée montante, là où le vent rentre, le vent est au sud-ouest, il y a 4 beaufort établis. C'est quand même présent, il y a 12, 13, 14 nœuds, un plan d'eau qui rit des clapots, il y a des moutons au large, et une houle qui est à la longue avec 14 secondes de période orientée ouest à ouest, nord-ouest, multipliquant en bras, qui donne sur les scieries 2,80. On n'est pas loin de 3 mètres. Voilà, c'est costaud, agité, tonnerre, ça change pas grand-chose, c'est pas praticable à la cano. La mise au point, s'il vous plaît, la mise au point. Quand il n'y a pas les scieries, non. Voilà. Quand il n'y a pas les scieries, il y a 2 mètres à 2 mètres 5, il y a 2,30 à 2,50, et quand il y a les scieries, il y a 2,80, pas loin d'un petit 3 mètres. Mais avec la marée qui est haute et le vent qui est au sud-ouest, bah, surveillez un spot de repli favorable par ce type de conditions, sinon c'est pénitence. L'évolution pour le reste de la journée, c'est quoi? Bah, c'est un train de houle qui va continuer de grossir, la boue Arcachon est à la hausse à 5 mètres et 9 secondes, on attend à 13h 3 mètres 3 mètres 50, ouest à ouest nord-ouest. 15 secondes de période en ouest-sud-ouest, 5 à 6 beaufort, et à 17h, 4 mètres, 3 à 4 mètres, ou ouest à ouest nord-ouest, 15 secondes de période en ouest-sud-ouest, 6 à 7 beaufort. Attention au coup de vent assez fort en fin de journée. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve à 11h30. A tout à l'heure, merci.